Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. On se retrouve pour continuer notre exploration sur ce nouveau chapitre. On s'était arrêté juste après avoir fouillé cette zone et récupéré un petit sanglier des familles. Et il faut qu'on reparte parce que mine de rien la menace monte bien. Donc c'est parti, on reprend la route. On va pas avoir le temps de s'arrêter, on s'est arrêté 2h, 2h30 et déjà c'est le bordel quoi. Il faudra qu'on fasse assez gaffe. Ici on va devoir s'arrêter un peu là aussi. Cela on a dit qu'on laissait tomber, ici on ira faire un tour je pense pour voir. On a un petit niveau pour Jaroslav, excellent. Qui dispense des soins. Et bah, parfait, voilà, on est largement dans les temps, mais je pense que ça doit être 92 pour le truc complet parce que ça me paraît bizarre. Et mine de rien, la menace elle descend aussi moins vite, hein. Et il commence à faire froid, tiens. Intéressant. Alors, le train d'or. Alors que votre train entre en gare, vous êtes accueilli par un groupe bruyant de soldats en manteau d'hiver. Un grand homme aux épaules larges vient vers vous, vous prend la main et la serre brièvement. Je suis le capitaine... Ah oui, il a la même tête, ouais. Je suis le capitaine Alex Korolev de l'armée blanche. Suivez-moi, Major. Nous avons préparé des rafraîchissements. Venez avec moi à la cathédrale. Très bien. Korolev et ses troupes vous guident à travers la ville jusqu'à la cathédrale. Les bancs étaient repoussés sur les côtés pour accueillir une grande table, et couverte de thé, de pain, de miel, de sel, de quelques tranches de viande rôtie et de pain plat. Il y a même des pâtisseries et des desserts. Ah ouais, c'est la fête. Capitaine Korolev, nous sommes venus pour vous aider à récupérer la réserve nationale d'or et à livrer à Novonikolaïevsk, comme on a l'a demandé. Chaque chose en son temps, capitaine. J'ai une proposition pour vous qui servira nos deux camps. Ok. Donc la vraie raison de ce festin digne d'un tsar. Korolev rit de bon cœur devant le cynisme manifeste de Langer et répond d'un ton doux et rassurant. Non, non, mon ami, nous n'avons pas besoin de vous amadouer. Vous avez besoin de passer sans danger et d'obtenir des informations, et nos hommes à Tchoulim ont besoin d'armes et de médicaments, sans parler de nourriture. Un sourire amer apparaît sur le visage de Langer alors qu'il fixe l'abondance de nourriture sur la table devant vous. Êtes-vous en train de dire que vous ne coopérerez que si nous vous aidons ? Je promets de vous offrir des informations sur le train d'or, je tiendrai parole, mais en vérité, il est trop tard pour prendre le train avant Novonikolaïevsk. Est-ce que le train est perdu ? N'ayez crainte, si vous allez voir le capitaine Belov à Tchoulim, il vous donnera des informations dont vous avez besoin pour vous emparer du train. En allant là-bas, vous pourrez nous aider. Tchoulim a besoin de plus de ressources que nous n'en possédons. Partagez les vôtres ou obtenez-en plus, peu m'importe. Donnez simplement à nos hommes ce dont ils ont besoin pour défendre la ville contre les rouges. Ah ouais. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que nous prenions ces ressources à vos concitoyens. Ne vous inquiétez pas, les gens vous aideront. Ils vous donneront tout ce dont Tchoulim a besoin et vous supplieront même de leur transmettre. Les villageois, des gens ordinaires comme vous et moi, vous feront confiance. Ok. Si vous accédez à ma requête, je vous promets que nous vous aiderons. Alors, allez-vous livrer ce ravitaillement à Tchoulim? Alors, 200 munitions pour fusil, 10 trousses de secours et 50 portions de nourriture. C'est de l'ordre du possible. 200 munitions de fusil, c'est pas tant. 10 trousses de secours, on doit pouvoir s'en démerder. On va le faire. Ok. Ceux qui sont religieux et monarchistes sont contents, et les bienveillants sont contents. Et bah écoutez, parfait. Bien, vous les légionnaires, vous avez une volonté de faire et un moral à toute épreuve. Nous aborderons les détails plus tard, pour l'instant, on mange. Vos soldats profitent d'un bref moment de répit, le thé, le miel et la chaleur du feu leur rappellent les jours meilleurs. Plus tard, vous abordez de nouveau la question de la réserve nationale d'or. Un petit bonus de morale de plus, ok, parfait. Korolev vous remet une enveloppe scellée concernant les ordres pour Hilary Belov, un capitaine de l'armée blanche à Tchoulim. Il s'attend à ce que vous les transmettiez. Vous restez un peu plus longtemps avant de dire au revoir à Korolev et de rentrer au train. Les ordres scellés, j'ai jamais fan, hein. On sait pas s'ils donnent pas l'ordre de nous défoncer le cul. Alors, déjà, on a un cuisinier niveau 5. Et je crois que c'est le niveau max. Ouais, c'est ça, niveau max. On a eu un petit succès pour ça. Parfait. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre, de le remplacer? Peut-être. Est-ce qu'on peut le remplacer? Donc c'est lui. Bon, et en plus il est que à 100% d'efficacité malgré ce boost. Est-ce qu'on a un autre cuistot à même de le remplacer? Non, on n'a que Petre. On n'a que lui. Donc on va le laisser pour le moment. On peut peut-être fabriquer d'autres trucs là.
Une tarte aux pommes, allez, c'est parti. Une petite tarte aux pommes des familles, on a ce qu'il faut encore en herbe. Les ressources, on avait dit 10 trousses de secours. Attends, on est passé à 72 heures là. 10 trousses de secours, 50 de nourriture et 200 munitions de fusil. Ah, c'est comme la moitié de nos munitions de fusil. Et on s'en sert beaucoup. Alors après, c'est la moitié, mais parce qu'on en a aussi pas mal dans les... dans les escouades, c'est ça, 620. Il me semblait qu'on en avait à peu près 1000. J'avais préparé une escouade de combat au cas où on ait un combat à faire ici, pour être prêt. Mais du coup, c'est pas le cas. Donc on va progresser jusque là. Et donc la température extérieure, ça donne quoi dans les wagons du coup? Ok, on a 2 d'isolation. Ici on est à moins 1, 1, moins 1, 2. D'accord, ça fonctionne comme ça. Donc pour l'instant, ça va. Ici, la chaleur du moteur, c'est 5. Et ici, ce wagon-là, c'est moins grave. Tiens, j'ai jamais activé ce truc-là. Ok. Ok, 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 ok. Parfait. Avant de repartir, on peut peut-être en profiter qu'on a 0 de menace pour retaper un peu quelque chose. Pour faire un peu de construction. Il faut qu'on arrive... Oui, ça fait déjà un peu plus une belle trotte, là. On a 2 lacs à faire, une forêt. Le lac, c'est 2 heures. La forêt, c'est instantané. Donc, on pourrait se poser là, envoyer au lac ici. Là, on a un truc abandonné, une forêt, un autre truc abandonné. Un autre lac. Ici, on a juste un marchand. D'ailleurs, on n'a pas un marchand dans notre gare, là. On a un marchand. Qu'est-ce qu'il vend? Oh, de la poudre. Et des obus d'artillerie, ça c'est pas tout de suite. On peut filer nos clopes. La vodka. Les stimulants, on va les garder. Donc c'est des trousses de secours de quel type qu'il lui faut? Parce que les deux, je pense que c'est comme ça qu'il lui faut. Ça paraît plus logique. Ça paraît bien plus logique. On va donner quelques grenades. Voilà, et on prend toute la poudre. Et du coup on va se lancer dans de la construction de... Alors il nous faut des ingés. Toi t'es encore en train de te remettre. Vous vous bossez. Toi t'es cuistot. Toi t'es l'alcoolique. Ouais, toi t'es l'alcoolique. Et toi, t'as un truc négatif, non? T'es le sceptique. Ah, et t'es cambrioleur aussi. Ok. Ok, ok. Au wagon restaurant, le wagon là, ouais, on a eux qui bossent, lui qui est en train de se remettre. Ah du coup je l'ai mis lui, ok, pas de souci. Et ben écoute, tu vas bosser et on va te mettre à fabriquer des munitions de fusil, 100 pour 12 de métal et 15, c'est parti, on va le faire bosser. Début de la nuit, on va le mettre là. On va passer à des services normaux, mais on va le faire bosser cette nuit. Et du coup, en termes de fabrication, donc on avait un wagon qui est à 1 encore. Le wagon cuisine. Visiblement, le fait de cuisiner, ça chauffe pas. Donc on va se lancer dans ce truc-là. On va mettre du monde. Alors, ceux qui sont plutôt en forme, tant qu'à faire... Il est disponible... T'es disponible, t'es fatigué. Ok, ils sont disponibles, les fatigués tous. D'accord. On va mettre les plus efficaces. Ça va être terminé en moins d'une heure. C'est parfait. C'est parti. Hop. Amélioration du wagon terminée. Et un petit niveau pour Ondrej. Qui du coup est du genre grenadier. Donc on va lui monter son physique. Ah bah oui, il travaillait sur ça, ok. Donc, là, on enlève tout le monde, retournez vous reposer. Et donc en température, on est au moins à 2 partout. Sauf le dernier wagon d'infanterie, mais tant qu'on a personne, on va pas s'exciter dessus. On l'a déjà suffisamment amélioré, donc on va là. C'est parti.
Et on va se... Oula, qu'est-ce qui se passe? La Baba Yaga 2. Oh, tout coucou, toi. Votre train s'est arrêté dans une petite gare. Vous ne vous attendez pas à en trouver une dans cette région si reculée. D'ailleurs, ce n'est indiqué sur aucune carte. La gare semble fraîchement repeinte en vert, clair et en noir. Il n'y a personne aux alentours. On va faire une petite pause. Albelsa et Maximilian s'aventurent derrière la gare alors qu'ils discutent et deux soldats ont une sensation brève mais intense de déjà-vu. Joseph vient les rejoindre en se grattant la tête. C'est Joseph qui nous avait sauvés la dernière fois. Non, c'était l'autre. Est-ce qu'on est déjà venu ici? J'ai la certitude que non, mais j'ai la même impression. Est-ce qu'on perd la tête? Il y a quelque chose dans les bois ici, non? Ils décident d'inspecter les alentours. Une petite cabane se cache tout près à l'orée de l'orée de la forêt dense. Ils s'approchent et sentent aussi... Oula, j'ai du mal, excusez-moi. Et sentent aussitôt le délicieux parfum d'un ragoût. L'intérieur est éclairé par une lanterne munie d'une seule bougie. Sa lumière éclaire une des sœurs. Deuxième sœur. Oh oh, les Russes n'ont jamais été entendus ni aperçus ici, mais leur odeur est arrivée malgré tout. Là se tenait une vieille femme, courbée comme un parchemin ancien appuyé sur un bâton tordu, son nez d'aigle masquant des yeux petits mais perçants. Les soldats restent dehors. Êtes-vous ici de votre plein gré ou par contrainte, jeunes gens? Difficile à dire, madame. Nous faisons un long voyage pour rentrer chez nous. Et qui pouvez-vous bien être, alors, à vous faufiler jusqu'à mon humble cabane, à venir sentir mon précieux repas? Nous sommes la Légion Tchécoslovaque. Nous sommes en route pour Vladivostok. Vous êtes donc des slaves... Des slaves, pardon. L'habitude de l'anglais. Allons, allons, nous partageons les mêmes racines, jeunes gens. Nous vous avons déjà rencontré. Oh, cher soldat, vous avez rencontré ma sœur. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Je ne m'en souviens pas. Comme il se doit. N'oubliez pas ceci, mes chers slaves. Nous avons une troisième sœur. Écoutez mes conseils, car si vous allez la voir, elle risque de vouloir vous dévorer. On va rester. Prenez-lui trois cornes et demandez-lui la permission de souffler dedans. Soufflez doucement dans la première, plus fort dans la deuxième et encore plus fort dans la troisième. Elle retourne brusquement dans la cabane et ferme la porte derrière elle. À la surprise générale, sa voix sinistre se fait entendre, s'en va venir de toutes parts des bois et de la cabane. Partez maintenant, c'est l'heure de mon repas. Ah, lui il est lâche, donc il prend 35 de morale. Eh bien écoutez, c'était le petit event à la sortie du... de Tatarskaya. Et du coup, il faut qu'on fasse une escouade pour aller au lac. Donc le lac, c'est chasse, survivaliste, herboriste. Parfait, voyons ça. On va essayer d'en faire une autre, tant qu'à faire. Un herboriste, mais il a cuisiné. Survivaliste. Il est encore un petit peu secoué, donc il faudrait qu'il se repose. Ok, donc ça veut dire qu'on va dissoudre. Enfin, on va travailler sur cette escouade. Il nous manque juste ici. Donc toi, t'es le cambrioleur. Toi, t'es le cambrioleur. Toi, t'es rien. Toi, t'es rien. Toi, t'es rien. David, l'herboriste. Et Antonin, le survivaliste. Donc on peut enlever tous les autres. David et Antonin. Ok, toc, toc, toc. Oh, ils ont des compétences à prendre. On va le faire tout de suite. Diversion, agilité. Et toi, esprit dangereux et ça. Ok, hop, hop, et hop. Ok, donc on a herboriste et survivaliste. Il nous faut un chasseur. Un chasseur. Tac, 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 toi. Allez, c'est parti. On peut même du coup enlever l'herboriste pour le garder pour une autre occasion. Un autre herboriste là. Et on va envoyer du coup malhabile, impulsif, arrogant. Non, pas une bonne idée d'envoyer ça. Toi, t'es robuste et imprudent. Non, pas une bonne idée non plus. Toi, t'es alcoolique et faible. C'est une idée de merde. Il est bienveillant. On va envoyer notre ami Yann. Ok, parfait. On a perdu ici tout ce qu'il faut. On est à un de tissu hein, par contre. Mais au moins, on va pouvoir tenir une température au moins jusqu'à moins 3, je pense. Donc à moins 3, ils ressentiront moins 1. Donc du coup, ils seront pas mal. On les déploie. Ah mais on n'avait plus assez de tissu pour les déployer, zut. Il y a un herboriste. Ah merde, il n'y a pas d'herboriste que j'ai foutu. Ok, j'ai fait de la merde. Revenez. Toi t'es fatigué. T'es en train de faire quoi? Tu fabriques, mais tu vas te reposer pendant la journée. Qu'est-ce que j'ai foutu?
T'avais pas un qui était survivaliste et herboriste? Ah non, c'était chasseur et survivaliste, et j'ai enlevé l'herboriste comme un con. Ok, attends pour moi. On refait. Donc toi, non, c'est l'herboriste qu'il nous faut. David, allez, allez-y, vous y allez à 4 du coup, go. On n'a pas assez de tissu, tant pis. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on envoie une escouade ici? Ça pourrait valoir le coup d'aller jeter un oeil quand même. Il nous faut une escouade avec un marchand. Donc toi, toi t'es diligente mais tu bosses. Toi t'es secouée. Toi t'es un artiste, c'est plutôt pas mal. Et toi t'es digne. Allez, c'est parti. On va aller voir ici ce qu'on peut faire. Il va falloir qu'on garde du tissu d'avance, hein, parce que mine de rien, les envoyer sans tissu dans la neige, ça sera risqué. Alors, eux, ils sont arrivés. En avant, à la pêche. Pêche en cours. Les autres, ils sont bientôt arrivés. On va attendre que la jauge monte un peu, puis on se déplacera un petit chouille. Oula, un accord de mariage. Oula, qu'est-ce que c'est que cet événement? Alfred sillonne l'escouade pour satisfaire un besoin naturel derrière un buisson à l'orée d'une forêt. Ce moment rare d'intimité est interrompu par des voix au loin. On dirait qu'un homme et une femme ont une discussion animée. Alfred est pris de curiosité et décide de s'approcher. Plus près, leur sujet de conversation devient évident. Un jeune homme armé, vêtu d'un uniforme de l'armée blanche, presse une femme de tenir sa promesse de coucher avec lui en guise de récompense pour avoir volé des rations de l'armée. Apparemment, elle avait changé d'avis, mais le jeune homme refusait de l'accepter. Ouais, on va intervenir. Et on a un avare, donc du coup, Alfred, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit l'opportunité, il intervient et gronde le jeune homme pour avoir volé ses camarades uniquement pour coucher avec une femme. Alfred propose un marché. Si les rations sont rendues, personne ne saura qu'il y ait l'odeur du vol. Donc ils acceptent. Ah, et du coup, on fait comme si c'était à nous qui les avait volés. 35 de bouffe comme ça. Bon bah, ok, très bien. Bravo Alfred, c'est bien joué. Alors, on a du rang 2, du rang 2, du rang 2. Ok, c'est plutôt cool. Alors, si on voulait prendre tout, tac, 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 2000 balles. Ouais, ça pique. 2000 balles, ça pique. On peut filer un Nagant de rang 1, du coup. Ça, c'est du rang 2. Un Mosin de rang 1, donc c'est fusil rang 1, fusil rang 2, donc on pourra le donner. Et le fusil court, rang 2. Ok, il y a quand même 1000 de perte, ça pique un peu. On peut donner quelques grenades, on en a pas mal. Ouais, comme ça, c'est pas si mal. Si j'en enlève une, on donne 70. Non, on va filer 6 grenades. Quelques trucs comme ça. Et on peut peut-être même embarquer de la poudre. Non, ouais, non, ça c'est peut-être tendu quand même. Un peu plus que ça, un peu plus de ça. On en arrive à 10 grenades de rab. Avec la poudre, on va pouvoir en fabriquer un max. Et on augmente, on gagne encore du niveau de munitions, enfin de munitions, d'armes. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Ouais, allez, c'est parti, on fait ça. On va avancer un petit peu, rentrer au train. En route. Faire baisser ça. Alors, on a un ingénieur level 5, excellent. Tu fais des recherches au wagon atelier, parfait. Alors, faudrait quand même que je voie pour faire un peu tourner tout ça, parce que le problème du coup, c'est que lui, niveau 5, on pourrait lui mettre un autre rôle. Est-ce que par exemple, on peut pas lui mettre cuisinier? Non, c'est le seul qu'on peut pas mettre parce qu'il lui manque un de charisme. D'accord. D'accord. Alors, attendez. On va prendre un peu le temps de regarder comment on peut faire. Donc, le quiz, c'est toi, tu étais arrivé level 5, c'est ça? Non, c'était le cuistot qui était level 5. C'est toi qui es level 5. Donc, il nous faudrait un autre cuisinier. Donc, prenons les soldats, rôle, quelqu'un qui pourrait être cuisinier. Il y a Magdalena qui pourrait être cuisinier, Albetsa également, Petre qui pourrait être cuisinier, qui est level 4 de médecin. Elle est level 4 d'ingénieur. On va débloquer.
hop, cuisinier. Et cuisinier pour toi aussi. Et du coup, un autre ingénieur. On a pas mal de level 4 en plus. Yann, mais toi, t'es notre mitrailleur. Magdalena pourrait aussi. Albezza, qui bosse en tant que médecin pas mal. L'autre Yann, ça pourrait être bien. Toi, t'es médecin aussi. On va prendre l'autre Yann. Et lui. Hop. Et comme ça, on va pouvoir les faire un petit peu diversifier leur niveau. Du coup, toi, il nous faudrait du coup un autre cuistot. Toi, tu bosses aux recherches. Et toi, tu bosses en tant que médecin. Allez, viens. Hop. Et du coup, le wagon atelier. Donc c'est toi qui es level 5. Hein. C'est ça, donc toi tu lâches ce truc-là. Et on pourrait mettre lui, Camille, mais il doit se reposer pendant encore 7 heures. On va mettre Yann du coup. Et ici, on peut mettre... Alors lui, il est alcoolique, mais remarque, il est bientôt level... Enfin, il est level 4, c'est pas si mal, on va le faire travailler là. Et il y a toi aussi qui est level 4 d'ingénieur. Allez, on va les faire bosser là. Histoire de leur faire... Essayer de leur faire atteindre le niveau 5, ce serait pas mal. Excusez-moi, je me suis gouré de touche. J'ai mis la vie de l'avance rapide. Atelier, ici, vous faites plus rien. C'est parti pour un goulash. Ce serait bien de pouvoir mettre une... pas forcément en boucle, mais genre dire jusqu'à 10 ou un truc du style. Il faut qu'on fasse gaffe quand on surveille. Ici, ils ont bientôt terminé leur recherche. C'est parfait. Donc, on attend. Pas le choix. Faut qu'on attende qu'ils aient fini de pêcher. Et qu'ils reviennent. Et ça va être tendu, hein. Alors, toi, t'es devenu sergent-major. Et tu es médecin, ingénieur et secouriste. Un peu de volonté, ce serait pas mal quand même. Donc on a une pause. Recherche terminée. Ici. Est-ce qu'on peut faire d'autres recherches? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs, des trousses de secours? Plus de tissu. Fabriquer des stimulants, des fioles somnifères. 20 herbes pour un stimulant, hein, ça vaut pas trop le coup. On va plutôt en faire de la bouffe. On va les enlever de là. Il faut qu'on prépare des trousses de secours quand on aura du tissu. Mais pour l'instant, on a vu personne prêt à nous donner des trousses de secours. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il a vu son histoire de les gens vont nous aider, mais... Allez, c'est le matin. On a terminé notre pêche. Est-ce qu'on a réussi à trouver des poissons? Putain, pas un poisson, quoi. Mais on a au moins trouvé des herbes. Ok. Et bah, du coup, vous rentrez. Allez, avant cet événement-là, si possible. Parfait. On a un petit niveau pour toi, qui est cuisinier-ouvrier. Ok. Donc, cuisinier... Vu que toi tu ne peux rester que là, on va te monter un peu ton intelligence pour éventuellement te faire passer un autre rôle. Je sais pas vraiment si on peut. Et du coup, il faut qu'on avance jusque là pour refaire un tour au lac. Vitesse 1. Parce que j'aime être en vitesse 1. J'aimerais bien le faire avancer plus là, mais avec la forêt là... J'arrive pas trop à cliquer. On les dropper à peu près, voilà, ici. Du coup, c'est vous. Cette fois, essayez de faire mieux, si possible. Oh ! Un arbre. Et bah du coup, on va s'arrêter. On perd un peu de morale. Lui, il est lâche. Ah oui, c'est les implacables et les imprudents qui sont pas contents qu'on fonce pas dans le tas. Et ben, on va résoudre, dégager la voie. Comme ça, au moins, on est bloqué là. On a bien fait de lâcher ceux-là. Ils vont aller faire leur vie. Alors, on a une promotion pour Antonin.
Et Keegan devient au passage cuisinier +++, donc normalement toi t'es mitrailleur. Un peu de physique, ça fera pas de mal. On va enlever ça, on va rester assis là probablement, enfin assis. Et on est parti. Niveau amélioration, on n'a pas trop de bois. On devrait pouvoir faire des améliorations qui coûtent que du métal, mais je suis pas sûr que ça vaille bien le coup. Là, il nous faut du tissu. Le wagon atelier, on fait qu'un truc. Refaites-moi des munitions de fusil, les gars. Et on est parti du coup, hein, vitesse 2, tant pis. On va taper dans la jauge, je pense, là. On n'a pas fait suffisamment descendre. Recherche terminée. Où ça? Ici. Au wagon atelier. Du coup... C'est vrai que les grenades, ça coûte pas cher. On va se refaire quelques grenades. Ici, pareil, ils ont terminé. Tac, tac, tac. Une petite viande rôtie, 9 d'herbe. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça peut... Il y a moins que ça se vende, ça. Et hop là. Alors... L'obstacle était piégé. Ok, on a gagné une grenade et du bois. Excellent. Du coup, on va devoir attendre. On va pas relancer le moteur et consommer du carburant pour que dalle, mais du coup on va passer au niveau de menace qui peut faire qu'on a des intérêts pourris. Enfin des événements pourris, pardon. Alors, est-ce qu'on a réussi à trouver des poissons? Oula. Je viens au rapport, malheureusement nous n'avons pêché aucun poisson, nous savions que nous reviendrons les moins vides avant même d'arriver au lac. Je souhaiterais pas à mon pire ennemi de sentir cette odeur nauséabonde. Nous avons essayé de rechercher les poissons vivants, mais toute la zone était en état de putréfaction. What? Ils perdent moins de morale que quand ils ont raté leur pêche, quoi. Mais il a quand même trouvé quelques champignons qu'il a pu ramasser. Bah écoutez, parfait, on rentre, et après, faut qu'on roule par contre. Quoique, il y a un truc forestier là. Donc forestier, c'est... Il n'y a pas vraiment de truc particulier. Allez, en route là, il faut rouler. Pardon, hop, excusez-moi. Il faut penser entre le bouton ici et le bouton là. Allez, on diminue un peu. Il nous faut une escouade pour aller chercher le bois. Eux sont pas si mal en vrai. Et il nous faut une escouade pour aller faire un petit tour dans la pampa. On peut pas envoyer un petit survivaliste. Envoyer le mec digne. Et lui qui est débrouillard, mais il est en train de... Enfin il bosse à l'infirmerie. Toi t'es sceptique, fais du logis, vas-y viens aussi. On va avoir deux trucs à faire là. Une forêt là. Ça va être compliqué de garder la menace basse. Hein. Et pareil là, il faut qu'on avance. On va essayer de faire un max de ressources. Alors le bois, à la limite, on pourrait presque s'en passer. On pourrait se dire qu'on s'en passe et on pousse directement jusque là. Allez, c'est parti. On va commencer à devoir choisir de toute façon. La forêt, c'est de la nourriture. Alors la quête secondaire, du coup, c'est où d'ailleurs ? C'est à Tchoulim ? C'était pas ça le nom, si c'était ça Tchoulim ? Ah oui, c'est Tchoulim, mais c'est pas le même entrographe, ok. Oui, il faut qu'on rencontre... Oui, bah je suis con, faut qu'on rencontre l'officier, et éventuellement, au passage, on lui file des ressources. Martin qui prend un petit niveau, parce qu'il bossait en tant qu'ingénieur. Un cri interrompt le contrôle de routine du train. Bordel. Il y a un autre blocus droit devant. Le soldat essaie de vous atteindre, mais son cri alertait les autres qui se préparent à se battre. Des obusiers sont braqués sur le bon. Est-ce qu'on s'arrête? Quoi? Un de vos soldats répond avec nonchalance sans quitter son lit. Ça devient usant, s'il faut s'arrêter à chaque blocus, autant marcher. Vous entendez une autre voix lasse.
On n'est pas censé capturer le train d'or. Un de vos soldats marmonne d'un ton sarcastique en préparant son fusil. On n'est plus à une ou deux grenades près. On va nettoyer la zone. C'est bon, les gars. Vos soldats se lèvent, leur absence d'enthousiasme est évident. Le bruit des freins les incite à surmonter leur fatigue. Ok, une petite mission comme ça, par de, à la fraîche. Très bien. Bah écoutez, on a besoin de tissu, donc j'ai envie de dire une mission, ça fera pas de mal. C'est parti. On y va avec toi. On va prendre toi. On va prendre toi. On va prendre un autre éclaireur. Pas assez d'équipement de grenadier. Comment ça se fait? Ah, les bombes fumigènes, on s'en fout un peu des bombes fumigènes si tu veux. On va te l'enlever. Et on va te mettre des mines terrestres plutôt, ça ira bien. Un mec de plus, un autre mec de plus. T'avais recommandé 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, on est pas mal. Alors niveau équipement, fusil de précision, 2 rang 2 pour toi. T'as le tir critique, t'as le tir critique. Fusil de rang 2, arme de rang 2, toi, fusil de précision de rang 1. Là on peut passer au fusil amélioré. Ok, parfait. Toi, on va te mettre, t'as déjà ce qu'il faut. Notre grenadier peut-être. Toi. Non, t'es en train de conduire le train. Ok. Et toi, t'es en train de fabriquer. Donc peut-être qu'au final, les armes de rang 2 de grenadier vont pas être si utiles. Hein. On confirme. Et on lance le déploiement. Et les mecs, vous allez faire ce qu'on vous dit. On va pas commencer à balander notre train au milieu d'obusier. Ça va bien 2 minutes. Des conneries. Si encore on avait un wagon d'artillerie, je dis pas, mais... Cílem je zlikvidovat houfnice. Ale když si budeme pořád hlídat záda, nebudeme je moc přepadnout. Takže nejdřív zajistíme ty mosty. Pak obsadíme nádraží a teprve pak půjdeme na ty houfnice. I tak to bude krvavá záležitost. Pokračujte nesmírně opatrně a využijte terénu ve svůj prospěch. Pas un pont trop loin, ça c'est du... ça c'est du tir. Ok, bon. Capturer le pont ferroviaire et le pont routier. Parfait, bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long. On fera la mission lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.